feet. Bienvenue dans la dernière rubrique Artisan pour l'année 2017. Là. Artisan qui a pour mission permettre de faire connaissance et apprécier Zev Artisan. Nous avons rappelé, la rubrique ça a été commencé avec Bianca Sensley pour continuer avec moi, Margalène Gédéus. Jodi a, contrairement à Claude Jouyot, nous n'avons pas visiter nouveau artisan. Mais plutôt, nous pourrons permettre de revivre quelques belles découvertes que nous avons faites dans le domaine artisanal. Là. N'a commencé avec visite nous t'ai fait dans galerie Kay Artisan qui gagne pour propriétaire Marie Alistea côté nous t'ai wè en pile belles œuvres. Nous avons eu l'occasion de visiter quelques peintres qui ont en pile expérience dans le domaine petit, qui t'a parlé nous de l'expérience et expliqué nous tout signification tableau. Yo. Thank you.
commencé peinture en 2007. Mais pour ça qui dessin, moi par contre, j'ai commencé parce que j'ai tout fait pour dessiner. Moi, c'est ce qui a fait portrait. Le plus souvent, il y a un portrait pour faire. Il y a soit mon achita devant, ou du moins, il y a un appartement de photo. Moi-même, j'ai un appartement de photo que je fais plus. Parce que je me suis dit tout le temps ça a acheté devant pour moi peindre. Mais avant, on fait un crayonnel d'abord pour aller très haut pour pouvoir se faire. Et puis, lorsqu'on se trouve jeune, on peut commencer à voir les couleurs sur les. Nous continuons avec un compte nous avons fait à Wadley Bellevue, dans l'atelier Lidelma, un jeune garçon qui est passionné de créer de belles œuvres artisanales. Moi, c'est un céramiste. Moi, j'ai fait le métier ça depuis 1997. Je m'apprends dans un atelier. Atelier qui est responsable par Géjean Wissner. Moi, j'ai joué un personnage qui est le Lucien Clairvaux. C'est lui-même qui précisément c'est lui qui m'a été jeune qui aide m'avancer dans le métier ça pour capable de discuter de mon rêve. À qui ça vous fait l'âme de nuit ça? L'âme de nuit ça c'est bouteille moins grand, moins déformé, touché. Moins déformé, mon devine fond. Touché. Devine fond, moi réaliser ça avec elle. OK, ça c'est un mamie. Mamie l'âme de tel pour barre ombre lumière là. Ah OK. Avec des états pour comment t'as dit ça. En pile bagaille, y a pas besoin dans la société là. Ou même pour moi faire un bagaille avec elle pour capable ouais qui ça lié et on peut utiliser quelque soit façon. Donc pour recycler. Très bien, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait statuette ça? Je fais avec argile. Avec argile moi. Pour de nouveau jeune argile. Marché argile là, hein. Mackenson Dormeus, c'est un artisan qui travaille dans le domaine macramé, nous t'ai découvert dans l'année 2017 là. Nous te croisé tout avec Jerry, yon artisan sur route Bourdon. Chaque période Noël qui fait sapin, fanal, yon façon pour contribuer nan beauté moment. Bam c'est Jerry, comment fait fanal. Chaque année moi tout et moi fait chaque année placer la bouvan fanal là. Et moi fait ça be. Moi fait ni fanal ni sapin. Là je petit. Là chez Simon, là chez mamie, là chez perso vinn nous chita nou travay yo. Nous mettons dans la mamie, nous mettons bois dans la mamie, nous coulons la donne, la fille coule plus sèche, et puis nous faisons sur elle. On fait ça, style de ça, c'est poteau pour la caille là. Bon, là, on fait un poteau pour la caille là. Si je veux mal mon tour, en face de la caille là, qui j'ai calé, pour faire une bagaille là. Mal mon tour, qui j'ai en caille là, va le vigner. Après, pour prendre ce faire. Ok, en logique, on y a là après. Jean nous t'a annoncé là, c'était dernier sorti rubrique artisan dans l'émission Echo des Arts. Rubrique qui permet de découvrir un artisan chaque semaine. Pour permettre d'apprécier tout, valeur et beauté produit artisanal qui fait la caillou. Nous disons merci. Pour fidélité avec nous et merci tout à toute collaborateur nou yo qui te permettre rubrique si la réaliser. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'année 2018 là. Déjà, nous souhaitons une bonne année.